Bonjour, en ce moment on parle beaucoup de déconfinement et de retour en classe. Il y a un tableau qui me vient immédiatement à l'esprit. Il s'agit d'un tableau de Ferdinand Georg Waldmüller. Donc c'est probablement pas le nom d'un artiste que vous devez connaître puisqu'il s'agit d'un artiste autrichien du 19e siècle. L'œuvre dont je vous parle a été peinte en 1936. Il s'agit d'un tableau de taille modeste, 44 cm sur 34, très joliment encadré. C'est une huile qui est peinte sur papier marouflé, donc apposée sur bois. Le style est très porcelainé, donc les détails sont exquis. On en prend beaucoup de plaisir à examiner cette peinture qui est minutieusement rendue, extrêmement réaliste. Et que voyons-nous? Eh bien, ce sont deux enfants rentrant de l'école. On y voit une jeune fille avec des boucles blondes, des grands yeux bleus ouverts qui vous regardent très directement, qui confronte donc le spectateur. Et près d'elle est un jeune garçon habillé à la mode montagnarde et qui se penche affectueusement donc vers cette petite fille qui pourrait être sa sœur. On devine que ce sont des écoliers puisqu'ils ont des livres et une ardoise sous le bras. La petite fille est pieds nus, le garçon est habillé modestement. On voit là des enfants de simples conditions, des enfants probablement assez pauvres, assez humbles. Et ils sont entourés dans un cadre majestueux de montagne, puisqu'il s'agit des Alpes bavaroises qui les encadrent avec le pic du Watzmann majestueux derrière. C'est un tableau donc très charmant, c'est une scène de genre tout à fait attachante et pourtant donc elle montre l'engagement du peintre pour défendre une idée, c'est-à-dire l'éducation pour tous, l'accès à l'école pour tous les enfants. C'est de ce point de vue-là un tableau important et engagé. Le tableau va circuler de propriétaire en propriétaire. À un moment donné, il va atterrir dans la collection de Victor Zuckerkandel et de sa femme. Nous sommes à Vienne, au début du siècle, avant la Première Guerre mondiale. Les Zuckerkandel font partie des familles les plus importantes de la Vienne de l'époque. Vienne à l'époque est une ville phare en Europe pour la culture. Les Zuckerkandel font partie de ces mécènes extraordinaires qui vont soutenir à la fois donc les œuvres de Klimt. Ils vont commander des cycles de peinture remarquables. Ils vont également commander à Hoffmann, l'architecte, son fameux sanatorium. Les Zuckerkandel fréquentent Schnitzler, Mahler, Reinhardt. Bref, ils font vraiment partie de tous ces cercles éclairés, intellectuels, ouverts, vraiment des mécènes remarquables. Et le temps passe. Malheureusement, les Zuckerkandel décèdent sans enfant et une partie de leur collection va aller à la sœur de Victor Zuckerkandel, Amalie. Amalie, donc, est en vie en Autriche. Le temps passe. Elle est avec sa fille Mathilde, son petit-fils Georges. Le temps passe encore, arrive 1938. En 1938, c'est l'Anschluss. Qu'est-ce que l'Anschluss? Eh bien, Anschluss, c'est une date tragique, puisqu'en fait, il s'agit de la conquête de l'Autriche par l'Allemagne nazie. On peut dire que cette conquête s'est quand même faite à bras ouverts pour beaucoup d'Autrichiens qui accueillaient donc Hitler donc avec beaucoup de ferveur. Malheureusement, à cette époque-là, eh bien, pour les Redlich, Amalie, Mathilde et Georges commencent le début d'une époque tragique. Amalie et sa fille vont malheureusement périr dans le ghetto de Lodz en 1941. Georges va s'enfuir en Belgique avec son père et plus tard, en 1957, il va arriver à Montréal. Georges, quand il était enfant, se souvenait très très bien de la demeure de sa grand-mère. C'était un écolier qui n'avait pas des notes extraordinaires, mais il avait une mémoire excellente, une très 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 bonne mémoire visuelle, et cela, vous allez voir, va le servir. Bien plus tard, après avoir ouvert un atelier de photographie à Montréal, 70 ans plus tard, Georges va décider d'obtenir réparation. Et il va vouloir récupérer les biens qui ont été spoliés par la Gestapo. C'est le début d'une conquête, d'une reconquête de sa dignité pour réparer, pour demander justice pour lui et pour sa famille. Georges va se servir de sa mémoire remarquable
pour prouver que des tableaux de Klimt appartenaient à la demeure malheureusement disparue de sa grand-mère, et surtout pour réclamer ce tableau de Waldmüller qui l'avait tellement frappé quand il était enfant. Pourquoi? Parce que quand il était petit, il avait une santé fragile. Il restait chez sa grand-mère. Et là, il rêvait de pouvoir aller à l'école parce que malheureusement, souvent, il ne pouvait pas y aller. En plus, avec les lois anti-juives, il était discriminé. Il ne pouvait même plus aller en classe. Donc ce tableau le frappait énormément. Lui, petit enfant, on l'imagine en train de regarder cette petite fille qui aurait pu être une sœur, qu'il aurait rêvé puisque lui-même était enfant unique. Et ce tableau-là donc l'aura tellement frappé qu'il va vouloir le récupérer. Le tableau, beaucoup plus tard, était passé de différentes collections privées jusqu'au point où Georges va réussir à le récupérer. Le collectionneur en question l'avait acquis de bonne foi. Il va accepter de le rendre à Georges Jourich, et c'est quand même assez remarquable parce que ce n'est pas toujours obligatoire, mais dans ce cas-là, donc ça s'est bien passé, l'histoire se déroule bien. Georges récupère les tableaux de Klimt, il récupère son tableau de Waldmüller. Et il décède malheureusement en 2012. Suivant sa volonté, celle de sa femme, Eliane, celle de ses enfants, de ses petits-enfants, le tableau est donné au Musée des Beaux-Arts de Montréal en hommage et en remerciement à la ville de Montréal pour son hospitalité après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là où, en fait, je me replace un jour, en 2012, en 2013, avec sa famille dans la salle Bourgie, entourée de ses merveilleux vitraux Tiffany, au son d'un luth, et avec cette commémoration bouleversante de la mémoire de Georges et du don de ce tableau au musée. C'était vraiment un moment extrêmement éloquent, un moment très émouvant. C'est un tableau qui parle d'espoir, de résilience, de courage. Et quand je vois ce petit tableau, qui paraît si innocent, si charmant a priori, qui pourrait imaginer les tragédies familiales qui se cachent et toute cette histoire remarquable de courage pour récupérer donc ce qui a été injustement spolié. C'est un tableau qui nous parle beaucoup parce que ces histoires d'injustice, elles existaient hier comme aujourd'hui. C'est une très très belle histoire qui est racontée par sa petite fille Edith Jourich dans un documentaire qui s'appelle L'héritier. Alors en ce moment, si vous avez le temps, je vous recommande de le regarder. Il est disponible sur Télé-Québec. Il a été fait en 2016 et ce documentaire est tout à fait instructif sur ce parcours remarquable et vous ne regarderez plus jamais le tableau de la même façon. Alors, bon visionnement et à très bientôt au musée.